monde, c'est TechGenis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est en IRL. Tech Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour les stats de la chaîne, pour les projets de la chaîne aussi et pour tout ce qui s'est passé depuis le début de la chaîne en fait. Pour vous remercier de tout ce qu'on a fait au cours de la chaîne. Voilà. Bah, on ne sait pas encore comment on va appeler ça, mais je pense que ça s'appellera quelque chose comme Let's Simulate Time ou on va trouver un nom quoi. Voilà, c'est pour récapituler, dire un peu comment va la chaîne en ce moment. Donc alors on va commencer tout de suite. Donc déjà on voudrait remercier nos 21 abonnés. Donc je sais que pour certains ça pourrait paraître peu, mais pour nous c'est déjà un grand chiffre. Donc merci beaucoup, merci à tous. Et vous inquiétez pas, nos vidéos continueront, c'est pas prêt de s'arrêter. On voudrait aussi vous remercier pour les 989 vues qu'on a obtenues sur notre chaîne. Donc bientôt le millier, on serait vraiment content. Donc voilà, encore une fois merci. Donc on va vous dire un peu les statistiques. Donc la vidéo qui a le plus cartonné, c'est comment installer un mod sur FS 2013. On sait que c'est un tuto, je pense que c'était même peut-être le seul tuto comment installer un mod FS 2013 sur Mac, en français je pense. C'était le seul tuto. Ah, ça va être le seul. Alors au contraire, la vidéo qui a le moins cartonné, c'est la vidéo présentation du jeu F1 2012, donc un jeu de Formule 1 pas mal, qui a été bien monté par Exonis et tout ça. Tout s'est bien passé et on a obtenu que 15 vues. Bon, chacun son point de vue. Après, ceux qui n'aiment pas le jeu, on les respecte aussi, ça pose pas de problème. Bah, il en faut pour tous les goûts quoi. Bon alors, ensuite donc on est très content de vous retrouver enfin en vidéo IRL. On essaiera de faire ça assez régulièrement, bah, dès qu'on va se voir en fait on essaiera d'en faire une. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît ce type de vidéo, ça change un peu. Et on s'est pas présenté, ici il y a Exonis et moi c'est Galaxy Online. Bah, je pense que vous avez quand même reconnu nos voix, mais bon, on sait jamais. Voilà. Enfin, comme on vous le dit, il me semble, dans pratiquement chaque vidéo, vous savez qu'en juin, enfin ce sera en... Je perds mes mots. Aux alentours de juin. Voilà. On vous le répète encore et encore. Donc on va faire un court métrage. On vous en dit pas plus parce que c'est une histoire très secrète. Bah on va vous dire un vraiment bref résumé de l'histoire. Donc c'est Galaxy Online et moi qui nous levons, sauf qu'on s'ennuie sur notre jeu. Donc du coup on décide de se retrouver, donc vous verrez ce qu'on fera, ça reste encore secret. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera très bientôt, je pense que vous serez pas déçus. Alors ensuite, donc ce court-métrage, il y aura une suite bien évidemment. Il y aura une suite à ce court-métrage, donc ce sera... peut-être ce sera jamais la fin parce qu'en fait on va seulement faire des suites, mais ce sera jamais la fin, on le continuera autant qu'on peut. Donc ce sera généralement dehors, mais on pourra également le faire en intérieur quand il fait pas beau, genre aujourd'hui. Même si je pense qu'il y aura un petit extrait à la fin dehors, je vous en dis pas plus, allez à la fin si vous voulez savoir. Donc voilà, ce sera le court métrage. On voulait aussi vous dire que quand on aura 1000 abonnés, donc le stade des 1000 abonnés, et ben on se prendra un serveur dédié, moi et Exonis, pour ben, les abonnés et nous pour avoir une bonne connexion Farming Simulator 2015 pour bien jouer pour vous. Ouais voilà, comme ça vous pourrez nous rejoindre sur le serveur à tout moment. On vous donnera le mot de passe. Bien sûr, faudra passer par notre site puisqu'on veut quand même des gens sérieux. Donc faudra passer par notre site. On vous recrutera ensuite sur Skype, donc pour voir un peu, on travaillera un peu avec vous pour voir un peu comment vous êtes. Et franchement, si tout se passe bien, vous serez recruté, il n'y a vraiment pas de problème. On fera aussi ensuite un setup chacun de notre côté, enfin dans la même vidéo, de tous nos logiciels et matériel informatique. Donc nos Mac, on mettra tous les prix, toute notre configuration, tout notre système internet. On mettra tous les casques, tous les micros, on mettra tout, vraiment tous les prix. Le caméscope avec lequel on filme aussi, on mettra le prix, on mettra tout, vraiment tout ce qu'il vous faut. On pourra mettre même les consoles s'il faut. Ouais. On mettra le prix des jeux, on mettra vraiment, on détaillera tout dans les moindres recoins. Tout. Et on essaiera de trouver aussi des liens pour les jeux si, par exemple, sur certains sites les jeux sont moins chers, genre Farming, il y a des sites où c'est moins cher. On essaiera de faire des codes promo au nom de la Simulate, enfin bon, on verra. On essaiera, rien n'est fait, mais comme ça vous saurez un peu avec quoi on tourne.
Ensuite, on prévoit aussi de faire des FAQ, même si pour l'instant, on n'est pas prêt d'en faire parce que tout simplement, on n'a pas beaucoup de questions, à part des gens dans les commentaires qui ont des problèmes. Je vous le redis encore une fois, les problèmes, ce n'est pas des problèmes avec nous. Non, mais dites-le nous si vous avez des problèmes avec Farming, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter, je vous rappelle encore une fois, le site... donc letsimulatefr.url.ph qui va sûrement prochainement changer de domaine. Ce sera plus .url.ph, ce sera un autre domaine, donc peut-être .com, on verra. Ensuite, donc notre adresse email letsimulatefr@gmail.com, notre jeuvideo.com. Ouais, donc c'est Galaxy Online avec un grand G, un grand O. Donc vous nous parlez, on a qu'un forum je pense, enfin faut que je le remette bien. Ouais. Donc on a un forum à nous, après vous pouvez nous parler par message privé. Et on voulait aussi vous revenir sur l'idée de notre Let's Play Time. Donc on voulait vous dire qu'on n'avait pas donné de fréquence pour les courts-métrages et les Let's Play Time parce qu'on va essayer d'en faire un maximum quand on se voit. Après c'est pas gagné qu'on en fasse tous les mois quoi. Bah, dès qu'on se voit, on essaiera d'en faire. Voilà. Sachant que quand même, c'est pas mal. Y a des gens qui aiment bien ce genre de vidéos au lieu de... Bah, nous aussi, on aime bien tourner ces vidéos-là. Ouais. J'aime vraiment bien. Ouais, je suis vraiment content de tourner ces vidéos-là. L'idée de faire une sorte de tournage... L'idée de vraiment vous voir et bien s'amuser au tournage. D'ailleurs, on vous mettra le making-of dans une vidéo, dans un extrait de vidéo à part. On mettra à la fin de cette vidéo. On mettra à la fin, ok. Et donc vous verrez un peu nos petits fails. Donc voilà, je pense que c'est tout. Hein. Vous pouvez voir, on a l'iPod, hein, vous inquiétez pas. On a bien quelque chose pour nous rappeler ce qu'on va dire. Donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, que vous en voulez encore, n'hésitez pas à le dire par le biais de la chaîne, du Skype, ou bien même par les commentaires, c'est encore plus facile. Ouais. Vous le dites par où vous voulez. Ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a de quoi nous joindre. On est juste pas sur Facebook, mais... On est sur Twitter. On est sur Twitter, c'est déjà ça, même si on n'est pas très actif. Je crois que la dernière vidéo que j'ai mise sur Twitter, c'était comment installer un mode effet stress. C'est ça, je pense. Donc, on vous remercie encore pour cette vidéo, hein, 255 vues, c'est ça? Ouais, ou 225 vues. Ouais. Donc c'est vraiment, on est vraiment content de cette vidéo. Ça a été vraiment un carton. Pour Belgique Profonde version 2, on se retrouve sur Farming, sur notre PC. Donc on est vraiment content de vous présenter cette map qui vient de sortir aussi. Ouais. Et puis on redit merci à Frabel encore pour les mods. Ouais, Frabel et LS Modding. Sachant que cette map, je pense qu'on va faire une belle série. On va surtout se concentrer sur les animaux. Donc là vous avez dû voir, on a récolté, on a commencé à nourrir les animaux mais on n'avait pas assez. Donc vous inquiétez pas, dans les prochains épisodes on va bien récolter et on va se faire des animaux. Et comme prévu, nous on a les semer et passer la charrue en solo, donc vous inquiétez pas si vous inquiétez pas si vous voyez qu'on a déjà semé. Donc on reprendra la vidéo au moment où le maïs est poussé et puis ce sera bon pour, ouais, voilà, pour ensiler. Dites nous dans les commentaires si vous voulez vraiment tout voir en vidéo, c'est à dire quand on sème, quand on... Nous ça ne dérange pas, on peut faire les deux. Ouais, on peut faire les deux, mais je pense que pour une série animalière c'est mieux de planter hors vidéo quoi. Ouais. Et surtout le plus important c'est de nourrir les animaux en vidéo quand même. Ouais. Donc voilà. C'est important, c'est un petit peu la série animalière donc. Voilà. Voilà. Et après il y a aussi l'autre série, la carrière suivie sur Two Rivers. Ouais, c'est bien ça, c'est Two Rivers. Ouais, elle est un petit peu en suspens pour le moment. Ouais, un petit peu en suspens. Vous inquiétez pas, on va la reprendre. C'est juste que pour l'instant on est un peu focalisé sur Belgique Profonde. On est quand même vachement content de la retrouver, mais vous inquiétez pas, ça reviendra. Parce qu'il faut savoir que Two Rivers c'est quand même plus de boulot parce que la map est beaucoup plus grande. Sachant qu'on fait pratiquement tout en vidéo, donc ça nous prend déjà beaucoup plus de temps que Belgique Profonde. Donc parce qu'on a à faire le montage, on a à faire le code de la conversion. Donc je pense qu'on vous montrera également comment on fait nos vidéos, enfin le cheminement d'une vidéo. Bah sûr, on fera comme un setup, mais une autre vidéo. Comment se passe une vidéo, comment la préparation. Ouais. Je pense qu'on se filmera en train de tourner devant nos écrans. On vous montrera le montage, enfin l'exportation, le montage, la conversion et l'upload. Voilà, surtout avec nos connexions de fou. Je vous dis pas la connexion pakistanaise. Voilà.
Donc voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin, hein. Je pense qu'on n'a plus rien à dire. Non, bah j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu ou de laisser un petit j'aime. Et voilà. Voilà. Encore merci pour nos 21 abonnés, vous inquiétez pas, vous serez très bientôt remerciés. En tout cas, nous, on espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt. Salut Jean. Salut à tous. Donc, pour fêter nos 21 abonnés, on va champagne. Allez, vas-y. Je peux vous dire que là... C'est du champagne, ça. Là, on va se saouler. On a un grand cru de 1997. Moi, je ne prends que les crus. Alors, goûtons. Belle robe. Franchement. Il est bien goûtu. Bien pétillant. Franchement, j'aime bien. Il est très bon. Donc en tout cas, on vous remercie beaucoup les abonnés. Très très bon. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Santé. Mais pas des pieds. Mais pas des pieds. Ah, les deux mecs qui font des vannes pourries quoi. Voilà, petit making of. Donc ici, on a les livres, on avait foutu le caméscope. Des coussins si jamais ils tombent. Ici, on a nos sièges. On a la boniche. Third life. Montre-nous ton joli tablier. Spaghetti. Bon allez, salut à tous les gens. Ça va ou quoi? Non, ça fait pas. T'es prêt? Ok, c'est parti. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Exanis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, on est en IRL. Thug Life. Thug Life. Et aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui. Arrête! Ok, on peut couper. Attention, c'est du champagne de qualité. Bon allez, ça rend du champagne. Jeffrey. Quoi, Mélodie? Je le rends. C'est trop bon. Yeah. Bon, salut les gens. Fallait pas faire de conneries. C'est quoi la connerie?